Tu as parlé avec Leandro, la légende. Et il t'a annoncé que t'es son père. J'ai un peu du mal à y croire, ça serait ouf quand même. Tu devrais en parler à ta mère. Est-ce qu'on en parle à la daronne? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Sadio Mané, ouverture du score. Déjà, oui. Attention, Vas-y, vas-y. attention, c'est dangereux ça. Oh, le bon ballon. Et voilà, saut! J'ai eu peur en faisant la passe, Pour putain. avoir ralenti cette énorme Bellec, on envoie occasion le de cartel. marquer. Non, je pense pas, je pense. Pourquoi? France qui a pris le dessus sur ce corner. Oh, comment je l'ai avalé! Espace devant lui. Après, c'est une équipe de troisième div là. Ouais, ça peut faire mal ça. On soigne les stats! 3-0, 25 minutes, let's go, les tacos, s'il vous plaît! Les tacos en commentaire! Ouais, de ouf, je sais pas pourquoi tout le monde pense que. Tu vois? Mayron, merci Mathéo, Gounès, Eva! Merci l'équipe, merci. Let's go! Encore des tacos en commentaire, s'il vous plaît! Encore des tacos! 30 minutes de jeu, 4-0. On voit la différence de niveau entre les deux clubs. Bravo, monsieur Rico. Naby Keita. Attends, deuxième poteau. Allez, il y a du monde au second poteau. Et goal! Juan Carlos Rico! C'est un but à la CR7, c'est vraiment contre la dalle. Oh là là, incroyable! Bravo, monsieur Rico. Quel joueur! Regardez-moi ça. Ah! Dinero, c'est mon daron. Allez, oh le pavé! Belinda, mesdames et messieurs! Alors, je savais que ce jour allait arriver. Trois petits points. Et oui, Leandro est vraiment ton père, malheureusement. Tu te demandes sûrement d'où te vient ce talent naturel pour le football. Eh bien, tu as la réponse. Je ne pourrai pas toujours être là pour te protéger, fiston, mais méfie-toi de lui. Il nous a fait du mal. Mais tu es grand. Je ne peux pas t'empêcher éternellement de chercher des réponses. Belinda. Une grande dame. Une grande dame. Oh, mais en vrai de vrai, les deux sur un terrain, on voit bien que CR7 il est meilleur. T'as capté? Quand Gennaro jouait, personne n'était au-dessus de lui. Oh là là là, demi-volée de Juan Carlos Rico! Max de tacos en commentaire, s'il vous plaît, merci! Let's go, l'équipe! Je préfère beaucoup de clubs, moi. Histoire de pas faire la même erreur que Gennaro. Avec un tir. Oh là 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 là! Il fixe, il frappe, il marque! Juan Carlos Rico, les gars, des tacos en commentaire, on va voir que ça, les gars! Let's go, let's go, let's go! J'adore tes lives. Merci Claude, t'es un bon. C'est un mode de jeu, on est là. On s'amuse. Ah oui, cherche un Go, 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 go. Marc. Voilà. Merci Mané. Y a plus la chanson mexicaine. Mon deck il bug avec cette musique, je sais pas pourquoi. Après le match, je vais aller voir ça. Splendide, hein, cette frappe, on la revoit avec plaisir. Une fois sur deux, ça. Es-tu inquiet? Oh, les gars, bonjour. J'ai vu que vous avez toujours pas trouvé de babysitter. Je me permets donc de postuler. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les refs? Elle avait postulé à Amsterdam. Elle avait postulé quand on était à Amsterdam, on l'avait pas choisi. Et là, elle repostule là. Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce match. Et c'est reparti pour la Ligue des Champions, les gars, dans ce stade mythique. Dans un club où on aurait pu aller avec Rico, qui se rappelle? Ce championnat bugué là. Le championnat, il est bugué, le championnat turc, dommage. Enfin, moi, il est bugué. Après, vous, je sais pas. On n'a pas le même jeu, c'est pour ça. Moi, mon jeu, il est cassé, frère.
C'est une mauvaise babysitter, mais tu la connais même pas. T'as vu son CV? Quand je commençais à découvrir le niveau ultime, ça. Parce qu'au début, on était en légende avec... Oh Rico! La purga, mesdames et messieurs. Oh là là, c'est beau! Quelle action collective! Tac, une, deux, tac, tac. Centre au deuxième pote. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci. Mais ce qui ne joue pas beaucoup, je suis obligé de lui donner. Depuis l'arrivée de Rico, c'est pas facile pour ça là, les gars. C'est pas facile. Vous allez bientôt dormir. Non. Vous avez confiance en elle? Pour donner Enrique quand même. C'est parti pour un match. Là, c'est un gros rendez-vous. Ça fait du bien en fait d'enchaîner des gros rendez-vous. Parce qu'en fait, à l'Ajax, j'avoue, c'était chiant. C'est le gros rendez-vous, c'était Ajax PSG. Non, Ajax vs PSV. Ajax vs Feyenoord, etc. Là, frère, depuis que je suis arrivé, je jouais contre Manchester en finale. Là, je rejoue contre en championnat. Je vais contre City. Il reste encore Chelsea, Arsenal, Tottenham. Vu? J'ai plus de ballon. J'ai plus de ballon. Tacle en retard. Je suis désolé. Il y a penalty. Je suis désolé. Ça bug un peu, hein. Regardez. Mais wesh. Il y a penalty, non? Le chat. Le chat. 4. Imaginez 4 de suite. J'avais dit gauche. Ok, vas-y, Gassama, on va tirer à gauche maintenant. On va tirer à gauche pour Gassama. Là, tu fais le fou, là? On va t'écouter. Regardez, les supporters derrière, ils essaient de me gêner. Ça me tue, ça. Voilà, merci, Gassama. Merci, monsieur Gassama. Max de GG pour Gassama, les gars. GG. Merci, mon gars. Allez, Rico. 15 buts en 7 matchs, la même ratio que son daron. Let's go, la vitesse. Le centre au deuxième poteau. Et le but, mesdames et messieurs. Merci. Merci, monsieur. Là, on joue bien, là. Ouais, j'ai le bug des sélections. Mais bon, pas d'efficacité de Fabinho. Manque de finition. Oh, vas-y, applique-toi. Ça rentre. Oh là 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 là. Le pied gauche de Juan Carlos Rico. Vamos les gars, max de like. Oula, max de like, max de tacos en commentaire les gars s'il vous plaît. Okay. Alors, monsieur Martinez, je dois t'annoncer un truc. Ma femme est morte. Wesh. J'ai appris qu'elle avait une liaison avec un rappeur mexicain. Je sais pas encore. Qui c'est, mais je crois que c'est 6ix9ine. Est-ce que tu verrais son numéro? T'inquiète, c'est pour lui donner des gâteaux. J'ai un doute, hein. Vous pensez que c'est pour lui donner des gâteaux qui veut son numéro? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On poucave ou pas?